Voilà, je pense que ça a fonctionné, les amis. Malheureusement, purée, c'est toujours la même chose. Comme je ne peux pas faire de copier-coller, je vais juste envoyer le petit lien du live à ceux qui ont pris l'abonnement. Voilà, c'est là. Copier et j'envoie à ceux qui ont pris l'abonnement et je suis à vous tout de suite. Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ah oui, il fallait que je mette quand même le lien du live en story. J'avais déjà tout préparé, il fallait juste que je mette le lien. Quoique j'aurais pu le faire suivre. Et voilà. Peut-être qu'on fera un post Facebook après. Yes! Bonsoir à tous les amis, et ben on y va! I'm going on the round, it's time I know that you want to save me. There's all or nothing when you got a way of driving me crazy. Somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I can delay when you numb of the pain. Now the day bleeds into the nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my God. I'm going under and it's time I fear there's no one to turn to. There's all nothing way of loving, got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just know how it feels. It's easy to say, it's never the same. I guess I can delay it when you help me escape. Now the day bleeds into the nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down and then the bullet rain. I was a kid that used to be someone you love. Oh, and I tend to close my eyes. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sun till I come back around. I'm not a day bleed until the night falls, and you're not here to get me through it all. Let my guard down, then you pull the rug. I was a kid that used to be someone you love. All the day bleed into the nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down, and then you pull the rug. I was a kid that used to be someone you love. Someone you love.
Salut tout le monde. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son, ça va sur la YouTubeosphère. Alors, je vais zoomer les commentaires parce que je vois rien du tout. Et voilà. Et je compte sur vous, bien entendu, pour partager ce nouveau live sur YouTube. N'hésitez pas à télécharger l'application YouTube hein, sur votre, si vous regardez sur votre tablette ou un iPad, les tablettes et votre smartphone. N'hésitez pas à télécharger l'application YouTube parce qu'il y a une meilleure qualité, c'est plus facile pour les commentaires et tout ça que si vous allez sur votre navigateur internet. Donc voilà, pensez à télécharger l'application à juste titre, comme quand vous utilisez Facebook, vous avez l'application Facebook et ça marche un petit peu mieux. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de me retrouver ici. Je vois que voilà, ça commence à monter. Hein. On est à nouveau à 60. Et puis, bah, on espère que grâce à vos partages... Qu'est-ce qu'il y a ? YouTube est plus avancé que sur YouTube. YouTube est plus avancé que sur Facebook. Il avait déjà commencé à chanter alors qu'il l'annonçait sur Facebook. Mort de rire. Je n'ai pas compris. C'est possible parce que des fois, il suffit que je lance le live avant. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais voilà. En tout cas, j'espère que tout va bien ici. Je suis content de vous retrouver. Je vais vous chanter des chansons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la dernière fois, vous m'avez demandé des chansons, des reprises. Et je vous ai dit non, pas aujourd'hui, parce que je fais que les chansons de mon premier album. C'est les 10 ans du premier album. Donc, je chante que les chansons du premier album. Mais aujourd'hui, je vais vous chanter des autres compositions, bien entendu, et des reprises que vous kiffez en anglais, en français, en polonais et bien sûr en espagnol avec un tout petit peu de mandarin, bien entendu, comme à chaque live. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, ben voilà, je vous dirai un petit peu plus de nouvelles juste après de mon album. Voilà, étant donné que là, j'ai un planning. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc, ben, vous me direz par laquelle je commence. Voilà, il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Ah, aujourd'hui, j'avais un joli polo jaune, vous avez vu. Alors ça, le polo jaune, je l'ai juste mis pour faire une photo parce que je ne veux pas l'abîmer. Parce que c'est un... Enfin, le sweat, pas un polo, c'est un col roulé. C'est pour les photos de l'album. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais c'est pour les photos de l'album. Voilà. Qu'est-ce qu'on chante ? Qu'est-ce qu'on chante au piano ? Après, j'ai la guitare, bien entendu, qui est toujours branchée. Mais qu'est-ce qu'on chante ? On chante un peu de Roman Rose au piano. J'aimerais bien vous faire quoi ? Bon, si vous me dites un truc, pourquoi pas ? Ah, bah tiens, j'ai bien envie de vous faire Mes Nuits. C'est parti ? Allez. C'est parti les kiki. Est-ce que je la fais en version calme, piano, tu vois, ça c'est cool. Je n'ai pas pensé à toi une seule minute aujourd'hui. Pourtant tu hantes mes nuits, les cauchemars de toi, j'en ai des phobies. Et si par hasard je tombe sur une photo de toi, t'es trop sexy. Je la jette par la fenêtre et je fais comme si t'avais jamais existé. En fait, je me demande maintenant si t'as vraiment un jour existé. Attends, je réfléchis, je ne vois pas trop comment. J'essaie de me souvenir, mais ça me vient pas sans le moment. Je passe mes nuits à faire comme si tu étais là. Je colle mon chat et je souris à rêver que je suis dans tes bras. Me voilà comme un chien à qui on enlève son os de la gueule. Ou un jeune ado sans Apple. Je ne trouve plus sens à ma vie. Alors je continue ma vie, elle est si merveilleuse sans toi. En fait non, j'ai changé d'avis, j'ai besoin d'une intraveineuse de toi. Pas que je viens de te voir passer. Je croyais que t'étais pas là, que t'avais déménagé. Je fais comme si je t'avais pas vu. Alors tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu penses à moi, ça y est, c'est sûr. Car t'achètes tout Victoria's Secret. Ah ouais. Mais c'est qui celui-là qui vient te prendre la main? Je croyais que tu voulais pas de mec pour tes examens. J'imagine mes nuits à faire comme si tu étais là. Je colle mon chat tout contre moi. Mais à présent tu es parti, me voilà seul comme une rose à qui on enlève ses épines.
copine. Alors j'appelle toutes tes copines afin que de toi elles m'arrosent. Je passe mes nuits à faire comme si tu étais là. Je colle mon chat et je souris à rêver que je suis dans tes bras. Me voilà seule comme une rose à qui on enlève ses épines. Alors j'appelle toutes tes copines afin que de toi elles m'arrosent. Pam pam pim pam pom pam param pam pim pam pom pam param pam pim pam pom pom pam 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 pom pom pam param pam pim pam pom pam param pam pim pam pom pam param pam pim pam pom pom pam pam pam. Je passe mes nuits à faire comme si tu étais là. Je colle mon chat contre moi, mais à présent tu es parti. Comme un chien à qui on enlève son os de la gueule, ou un jeune ado sans Apple. Je ne trouve plus sens à ma vie. Je passe mes nuits à faire pam 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 pam. Je passe mes nuits à faire comme si t'étais là, comme si t'étais là, comme si t'étais là. Pam pam pim pam pom pam, comme si t'étais là. Pam param pam pim pam pom 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 pom, comme si t'étais là. Michel, branche la guitare. Elle est là, Michel, la guitare. Elle est là, elle est là. Vous ne me faites pas, et je branche la guitare et je suis à vous tout de suite, mesdames et messieurs. Attention, mesdames et messieurs. Michel, pourquoi la guitare ça marche plus? C'est bon, j'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Alors, vous en faites pas, la mauvaise nouvelle, c'est pas un truc de dingue, hein. Mon chat est pas mort, vous en faites pas, tout va bien, ça serait vraiment dramatique. Mais, c'est une petite mauvaise nouvelle. Allez, je me teste à vous faire une nouvelle chanson, que vous avez peut-être déjà entendue, mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de la faire. Je me chauffe, d'ailleurs, est-ce que j'ai la partition de ça? Le regarde. Je l'ai. Ah oui, bah elle est en... Ah oui. Ah mais ça c'est chiant. Je vais aller la chercher sans mon truc. Il y a quelqu'un. Ah mais je me suis. Ah oui, j'avais oublié que ça fallait que je. Si j'étais debout, ça marchait plus. J'étais plus centré. Alors attends. Là, ça va? Pas trop. Là, ça va. Je suis centré. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, les amis. Ma fameuse chanson. Il n'y a pas mort d'homme pour la mauvaise nouvelle, je vous rassure, mais ça peut être que pour le mieux. En fait, c'est une mauvaise nouvelle pour avoir une bonne nouvelle, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est voilà. Attends, vas-y, allez où ma partition? Sinon, je la fais de tête. Hein. Ah, elle est là. Et Jean-Michel Chaoui est arrivé! C'est parti, on y va les cocos, c'est parti, je lance la guitare et c'est parti. Soir, je laisse de côté mes soucis, donne à mon cœur de l'espoir. J'ai
que mon cœur vagabonde seul. Il gronde à présent, telle une bombe qui fait son deuil. Il contrôle un corps en peine, s'enflamme dès qu'on lui donne à boire. Il serait prêt à dire je t'aime à la serveuse au comptoir. Il s'élance sur la piste, mesdames, il était utopiste. Un drame fait de moi sa marionnette, dont lui seul est aux manettes. Allez, danse, 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 jusqu'à demain. Il ne pense, 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 ne pense plus à rien. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, tu chantes trop bien, c'est super sympa, merci beaucoup Skenox. J'ai l'impression que les enfants sont couchés, la dernière fois on avait plein de gens qui... plein d'enfants qui disaient plein de gros mots et tout ça, là ça va, il y a des gens, il y a des nouvelles personnes qui ont l'air un peu mieux intentionnées. Bon bah voilà pour une petite composition les amis, et j'ai vu passer dans les commentaires, ah bah si tu la chantes ça veut dire qu'elle n'est pas dans l'album. J'ai le plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, que jusqu'à preuve du contraire, elle est dans l'album. Voilà, 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 voilà. Thomas, ça m'aurait étonné que tu voulais que je chante Monsieur Badaboum. On verra un peu plus tard, pourquoi pas, pour la chanter. Bon, étant donné que j'ai la guitare de Vianney, je ferais bien un petit Vianney. Est-ce que vous avez une petite idée de reprise? Là, j'ai fait une compo, mais je vais faire une reprise de Vianney, s'il y en a une qui vous dit. Another Love, Clem qui demande ça. Ah, peut-être, je la joue au piano, mais à la guitare, ça peut être marrant de faire une petite reprise d'Another Love. Attends, je regarde. Parce que je la joue au piano. Mais à la guitare, ça peut être pas mal de faire une petite reprise un peu... Tom Odell. Ouais, ça peut grave se faire. Vas-y, j'essaie de te faire ça. Bah voilà, on est arrivé au moins à 100 sur YouTube. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les amis. Ah, j'ai pas publié d'ailleurs le lien sur... Bon, je l'ai mis en story, c'est la même chose. Je vais juste regarder s'il est bien publié sur Facebook, la story. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. On fait pas sur Facebook, de toute façon. Et ben, c'est parti pour cette chanson qu'on nous a demandé. C'est Clem qui nous a demandé ça. Pourquoi tu as la guitare de Vianney? Parce que j'ai gagné la guitare de Vianney, dédicacée par Vianney.
Voilà. Tu vois, ça me dit cassé à l'intérieur, on voit un petit peu. Voilà, c'est pour ça. Vas-y, c'est parti pour Another Love, ton modèle. Je me disais qu'il y avait un problème de guitare. Ah, c'est mieux comme ça, oh my god. Je me disais, il n'y a pas d'aigu, c'est bizarre. Elle a un son bizarre cette guitare, mais en fait j'avais baissé tous les aigus. I wanna take you somewhere, so you know I can. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and the prettiest trees, but they won't flow like the last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, but I'm just so tired to share my night. I wanna cry, I wanna love, but all my tears have been used up. Oh, another love, all my tears have been used up. Oh, another love, all my tears have been used up. Oh, another love, all my tears have been. And if somebody hurt you and wanna fight, my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude, what they always will lose. And I sing a song that would be just ours, but I send them all to another heart. I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up. Oh, another love, all my tears have been used up. Oh, another love, all my tears have been used up. Oh, ça marche pas. Est-ce que tout fonctionne chez vous? Je sais pas si ça marche chez vous, ça attend. Parce que j'ai pas fait un truc, j'ai pas bloqué la réverb. Pas bloquer la réverb, la wifi, je veux dire, comme j'ai envoyé l'image du live, fallait que j'active la wifi. Et je n'aime pas ça, passer par la wifi, j'aime bien passer par le câble. Network. Parfait. Mais toi, t'es le genre de personne, tu sais pas si tu rentres ou tu sors, parce que t'arrives, tu veux rentrer, puis après tu veux sortir, et ceci et cela, quoi. Un truc de malade. Avec plaisir, Clem. Bon, on part sur quoi, les amis? Normalement, c'est bon, hein, si, peut-être que... Enfin, normalement, il n'y a plus de bugs, j'espère. On se le souhaite. Normalement, ça devrait pas fonctionner, c'est juste que j'ai désactivé la Wi-Fi un moment. Alors, Rose, commence pas. Il monte de partout et tout. Bon, 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 bon.
Bluebird, je la connais pas malheureusement. Je connais beaucoup de chansons, les amis, mais je la connais pas. Par contre, je connais des milliers de Je t'aime. Est-ce que je la fais à la guitare ou au piano? Parce que je la connais au piano, mais à la guitare, je l'ai jamais faite. Vas-y, j'essaie de la faire à la guitare, je l'ai jamais faite. Rose, non! À quoi elle veut rentrer, à quoi elle veut sortir? Puis j'aime bien fermer la porte du studio, sinon les voisins ils deviennent fous, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Allez, j'essaie de vous faire à la guitare, pour la première fois, des milliers de Je t'aime de Slimane. Espérant que mon chat ne veuille pas rentrer et sortir à chaque fois parce que c'est un truc de mal. Plus besoin de chercher, plus besoin je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus faux. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu aimes, si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais oh là là, il y a encore un bug. Ouais, parce qu'il me dit qu'il y a un problème de connexion. C'est ouf cette histoire. Bon, je vais baisser, attendez le débit. Je sais pas si ça bug pour vous, mais quand même, le logiciel me dit que c'est OK, la connexion, mais c'est YouTube qui me dit que... Ah mais ouais, 92, c'est quoi cette histoire? Oh, il est pénible avec ça. Bon, je sais ce qui se passe. Est-ce que ça va pas me faire embêter pour mon piano? Vas-y, je teste un truc, j'espère que ça ne va pas lâcher, si jamais je relancerai, mais normalement, ça devrait pas lâcher, faut juste que je débranche et que je remette, parce qu'effectivement, là, il met 92 de download alors qu'il y a la fibre, donc un problème. Je débranche, je rebranche. Mais normalement, ça devrait rester connecté. Hein. Mais je débranche, je rebranche. Normalement, ça marche mieux quand je débranche et je rebranche. Attention, je fais un test de connexion. Bah voilà, 950 mégas. Parfait, la fibre, 1 giga. Voilà, c'est bon, c'est reparti comme en 40, les amis. Erreur technique, mais non, mais ça va là. En tout cas, vous inquiétez pas, c'est reparti, les amis. C'est juste que, effectivement, erreur de débutant, pourtant je devrais le savoir depuis le temps que je fais des lives. Qu'il faut que je déconnecte la Wi-Fi à chaque fois. Parce que mon ordinateur est branché à la Wi-Fi, mais aussi en par câble, quoi. D'habitude, la Wi-Fi est désactivée de l'ordinateur. Sauf que là, quand j'envoie la photo du live,
Bah, je l'envoie par AirDrop et du coup, il faut que la Wi-Fi soit activée. Donc, j'ai obligé de la désactiver, ce qui fait que ça a tout chamboulé le bail. C'est pas grave. Bon, Slimane, on la fera après au piano, au pire. J'étais en train de dire, j'ai jamais de problème de réseau, et là, ça arrête pas. Genre, c'est vraiment, vraiment pas de chance, quoi. C'est un truc de fou. À moins qu'ils soient en train de bricoler la fibre. Je ne sais pas. Mais écoute, là, ça a l'air de remarcher. Je ne sais pas. Ok. Bon. Ah, j'ai envie de faire comment en fait, genre. Bon, et après, je vous parle de l'album. Je vous dis les bonnes nouvelles et la mauvaise nouvelle. Vas-y, je fais ça. Comment on fait? Je l'aime bien, c'est une nouvelle chanson que j'ai apprise. Allez, c'est parti, et après je vous dis ce qui se passe, les amis, les amis. Tu fais.
Et voilà. Je pourrais être modo, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe d'avoir des modérateurs sur YouTube. Je ne connais pas du tout le bail. Chat déconnecté, patienter pour. Ah non, c'était tout à l'heure. Ok. Et ben voilà, les amis. On va repasser au piano parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils voulaient un peu de piano. Hop là. Bim. Bam boum. Bon les amis, je vous parle un peu de l'album. Donc comme je vous disais les amis, donc pour l'album, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas par laquelle je commence. Je commence par la bonne, parce que ça va dans l'ordre comme ça. La bonne nouvelle, c'est que vous savez, voilà, faire un album, ça coûtait très cher. Voilà, donc on l'a financé avec un crowdfunding, avec des précommandes, avec plein de choses. Et puis ben, maintenant, il faut le budget aussi pour la promotion. Parce que c'est bien beau d'avoir un super album et tout, mais après, il faut le vendre, il faut passer à la radio, il faut payer une attachée de presse, il faut faire tout ça, tu vois. Et ça, ben, le budget, je ne l'avais pas pris en compte dans. Enfin, j'ai eu beaucoup de dépenses de production d'albums. Et grâce ben, à des subventions, tac, 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 on peut avoir voilà, des subventions qui prendraient en charge toute la promotion. Peut-être pas tout, mais en tout cas, une bonne partie, en tout cas 40%. Et comme c'est des sommes quand même très importantes de promotion qu'il faut mettre pour avoir une attachée de presse, parce que rien que payer une attachée de presse tous les mois, ça coûte quand même cher, hein. Voilà les amis, on va pas se mentir. Donc payer une attachée de presse. Passer à la télé, passer à la radio, être placé dans les playlists de Spotify et compagnie, ça prend du temps. Voilà, il faut en tout cas des gens à même de faire ça et ça coûte cher. Et donc, du coup, bah, pour avoir cette subvention, je passais en commission aujourd'hui et il se trouve qu'il fallait avoir beaucoup de fans sur les réseaux. Donc, ça, c'était bon. Hein, sur Facebook, vous êtes nombreux, j'ai 270 000 abonnés. Donc en général, ça passe. Par contre, sur Spotify, étant donné que j'avais retiré mes deux derniers albums, parce qu'ils vont regarder Spotify, si j'ai beaucoup d'abonnés, ils donnent des subventions. Si t'as pas beaucoup d'abonnés, ils donnent pas de subventions. Bah, j'avais pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup d'écoutes, quoi. Et du coup, je vous ai dit, allez écouter mes deux premiers albums que j'ai remis la semaine dernière en ligne, et il faut qu'on ait beaucoup d'écoutes pour passer en commission. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je passe en commission et j'ai été accepté. Donc ça, c'est génial, c'est la bonne nouvelle. On va avoir des subventions qui vont me servir à la promotion. Pour faire plein de choses, ça va être vraiment, vraiment trop, trop top, c'est génial. Le seul souci, les amis, alors si la qualité d'image est moins belle, tout simplement, Cathy, tu cliques en haut à droite de ton téléphone et tu peux changer le réglage, la qualité. La mauvaise nouvelle, c'est que pour que les subventions soient acceptées, il faut que le temps que ça soit tout traité, et je n'aurai malheureusement, ça sera traité en mai. C'est-à-dire que je ne peux pas malheureusement sortir mon album le 1er mai comme c'était prévu. J'avais prévu de sortir mon album le 1er mai. Je vous ai dit, voilà, le 1er mai, mon album va sortir. Et finalement, comme j'aurai mes droits de subvention en mai, eh ben, je peux seulement sortir l'album en juin. Ce qui fait que bah, malheureusement, l'album sortira avec 30 jours de retard, enfin 30 jours de plus, c'est-à-dire le 1er juin à la place du 1er mai, parce que sinon je peux pas avoir la subvention. Et étant donné que la subvention elle est vraiment importante pour moi, c'est quand même une grosse somme, un gros chèque quand même qui va nous aider vraiment, et ben je préfère tout simplement repousser de 30 jours. D'autant plus, c'est vraiment tout bête, mais je préfère aussi prendre du temps pour les mixages. C'est-à-dire que, vous savez, je vous ai dit, tout est bouclé. C'est-à-dire que là, on a le planning, tout est fait. On a le mixeur de booké, les petites retouches à faire avec les réalisateurs la semaine prochaine, c'est booké pendant 2 semaines. J'ai 8 jours à faire avec eux pour retoucher les petites choses avec les co-réalisateurs sur les chansons. Donc ça, c'est bon pour les chansons, pas de souci. On a intégré une nouvelle chanson, pas de souci. C'est cool aussi, on la met dans l'album, la nouvelle. Mais sauf que le mixeur, moi, donc on l'a contacté, on l'a booké, sauf que lui, on lui envoie les pistes le 1er avril. On lui a dit, bah voilà, il me les faudrait le 20 avril. Donc il m'a dit, pas de souci, ok, je peux vous les envoyer le 20 avril. Le seul problème, c'est que s'il y a des retouches à faire, moi, il me faut encore une semaine pour refaire les retouches. Il y aura sûrement des retouches quand il va nous envoyer le projet.
mixer, je vais sûrement dire, ah bah là, j'aime pas trop ce que tu as fait, et voilà, il y aura sûrement une petite retouche de mixage. Ce qui fait que même le 1er mai, enfin le 20 avril, entre le 20 avril et le 1er mai, ça aurait été un peu court sur le temps, on va pas se mentir. Donc ça me laisse le temps de bien avoir du feedback, de savoir ce que j'aime bien et tout. Mais en revanche, j'ai quand même une re-bonne nouvelle, donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle, c'est que ça va aussi me laisser le temps de sortir un single. Donc un single, c'est quoi? C'est une chanson qu'on sort avant de sortir l'album. Parce que c'est vrai que c'était ridicule en plus de sortir un album sans avoir fait de promotion avant qu'il sorte, c'est-à-dire sortir une chanson avant que l'album sorte. Vous avez bien vu, quand Vianney il a sorti son album, bah, il a sorti le single Comment on fait, il a sorti avant aussi la chanson avec Bigflo et Oli, la chanson aussi peut-être avec Renaud, je crois qu'il l'a sorti un petit peu avant son album, et puis après, il a relancé son album. Et ben moi, ce que je vais faire, voilà, le 1er mai, vous n'aurez pas l'album tout de suite, mais vous aurez déjà la première chanson qui va sortir en single sur toutes les plateformes. Et ensuite, le 15 mai, on va essayer de sortir un deuxième single, que vous ayez deux chansons voilà, qui vont sortir dans le mois de mai. Et ensuite, deuxième aussi chose qui était importante, c'est-à-dire qu'à la fabrication des disques. Et moi, je vous avais dit, ben, le 20 avril, ce que je fais, avant d'avoir les disques, je vous envoie toutes les chansons. Et puis, pour économiser le temps de fabrication des disques, qui est de l'ordre d'à peu près 21 jours, de 3 semaines. Mais mon réalisateur et mon agent, ils m'ont dit, mais Romain, tu fais pas ça, c'est pas bien, faut pas faire ça. À la rigueur, une précommande, oui, tu peux leur donner 2 jours avant, mais le faire une semaine avant, 10 jours avant, c'est trop, c'est pas bien, pour la simple et bonne raison que ben l'effervescence que vous allez donner, l'impulsion médiatique et commerciale, c'est vous qui allez la donner, mes fans, ma base fan, les 1000 personnes qui ont précommandé mon album, c'est vous qui allez lancer la machine. Et si ben, je vous donne l'album 10, 15 jours, 1 mois, parce que j'aurai les mix, j'aurai les chansons finies début mai. Si je vous les donne 1 mois avant, vous allez toutes les écouter à fond, vous allez arrêter de les écouter, mais déjà, vous ne pourrez pas les partager, ou vous ne partagerez, mais c'est pas très bien de partager des chansons qui ne sont pas sorties dans le commun des mortels pour les autres personnes, et ça va pas être, enfin, ça va être contre-productif. Donc du coup, c'est mieux que vous l'ayez 2, 3 jours avant que l'album sorte réellement. Et en plus, là, vous allez carrément recevoir l'album chez vous avant tout le monde. Moi, je trouve plus logique d'ailleurs. Et ensuite, 2, 3 jours après, ben voilà, le 1er juin, il sort sur les plateformes. Donc voilà, j'espère que j'ai plus vos commentaires, j'espère que ça marche. Je sais pas si vous commentez plus, en tout cas, j'ai plus vos commentaires. J'ai que le message de... J'ai le dernier message, ça s'arrête à Martine, on en apprend tous les jours. Est-ce que si je fais ça, ça va tout arrêter le live ou pas? Ah! J'ai enfin les commentaires parce que j'avais plus de commentaires donc je trouvais ça un peu dommage. Salut le S, il me dit je suis nouvelle, qui êtes-vous? Ben, je m'appelle Roman Rose, l'ami. J'étais plus populaire sur Facebook, les amis, j'avais plein de fans sur Facebook, mais Facebook n'accepte plus de faire des vidéos en live ou en chant donc du coup je suis venu sur YouTube maintenant. Donc du coup voilà, donc pour toutes ces raisons, les amis, pour toutes ces raisons, ouais, j'ai enfin de. Tu parles de quoi dans ton live? Je viens d'arriver. Je parle de la sortie de l'album qui est retardée d'un mois pour avoir des subventions et pour réussir ma promotion. Je pense que c'est important de ne pas rater la promotion, de pas non plus se speeder parce qu'en fait tout coïncidait. Quand mon agent tout à l'heure il m'a appelé, il m'a dit bon bah voilà, t'as accepté. Par contre, tu voulais le sortir le 1er mai. Il m'a dit c'est pas possible si tu veux tes subventions, ça sera pas possible. Faut que tu le sortes le 1er juin parce que sinon t'auras pas tes subventions. Donc, étant donné que quand même ça va coûter très cher, hein, c'est vraiment de l'ordre, c'est des chiffres énormes, la promotion. Ben, honnêtement, je préfère, sachant qu'en plus c'est moi qui l'ai investi de ma poche, je préfère honnêtement avoir la petite subvention pour la promotion de l'album. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le 1er juin, le 1er mai, on sort un single, donc ça c'est cool. À mon avis, je pense que ça va être Paris-Nice, parce que je la kiffe trop, cette chanson, elle est trop bien. Et vraiment, toute l'équipe l'a kiffée. Et vous aussi d'ailleurs, hein, c'est parti vraiment d'un petit jeu où je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, ils veulent pas que je sorte mes nouvelles chansons. Maintenant que l'album est bouclé, je vous balance la nouvelle chanson que j'ai créée. Et puis au final, vous l'avez kiffée. Je l'ai fait écouter à mon agent au Coréal et tout. Ils m'ont dit, mais elle est super cette chanson, elle est géniale. Donc ils m'ont dit, bah, mets-la dans l'album, t'es obligé de la mettre, quoi, elle est vraiment cool. Du coup, on l'a rajoutée à l'album. Mais voilà. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que tout est fixé. Vraiment, honnêtement, là, j'ai le planning de tout. J'ai le planning de tout. Voilà.
Si vous voulez tout savoir, les amis? 31 mars, fin des réalisations avec l'album de l'album avec Gabi et Norman. 1er avril, envoie des pistes au mixeur. Nananananan. Ah ouais, bah si, je peux vous dire qui c'est, parce que c'est un grand mixeur en plus. Envoie des pistes au mixeur Alexandre. Réception du mixage, 8 avril, réception du mixage du single pour écoute. 10 avril, retour sur le mix du single. 20 avril, réception des pistes pour écoute plus mix final du single. 21 avril, écoute des mix avec l'équipe. 22 avril, retour au mixeur sur les retouches de l'album. 29 avril, réception de l'album final mixé. 1er mai, sortie du single. 2 mai, envoie des mix au mastering, parce qu'après le mixage, il y a le mastering. 6 mai, réception des pistes finalisées et masterisées. 7 mai, envoi des pistes masterisées à l'usine de fabrication. 28 mai, réception des albums. 29 mai, envoi de l'album numérique par mail aux précommandes, aux ceux qui ont fait les précommandes le 29 mai. 29 et 30 mai, dédicace et envoi des albums physiques aux précommandés. 1er juin, sortie de l'album sur toutes les plateformes de streaming. Que demande le peuple ? Là, vous avez tout le planning de tout ce qui se passe. Là, vous avez toute la nomenclature de ce qui va se passer. Au moins, vous avez un peu toutes les énoncés. Donc voilà. Donc ça va nous laisser le temps de tout faire. C'est vrai que c'est énorme. Hein, c'est un projet énorme, un album. Les amis, c'est pas le même album que j'ai fait ici, les amis, ce que je suis en train de faire là. Là, on est en train de faire un vrai CD. C'est-à-dire que cet album a pris beaucoup de temps. Le deuxième album aussi m'a pris beaucoup de temps. Voilà, tous les deux. Paf, vous pouvez les retrouver sur Spotify maintenant, les deux. Mais ceux-là, c'est moi qui les ai réalisés. Et voilà, je les ai fait en totale autonomie. Voilà, il n'y avait pas de prise de tête. C'est des albums qui m'ont coûté quand même cher. On ne va pas se mentir. Hein. Cet album-là, ça m'a quand même coûté peut-être 20 000 balles. Ça coûte, tu vois, à faire un album comme ça. Mais au moins voilà, ça allait un peu vite. Là, on a un budget qui est trois fois ça. Quoi. Donc, c'est sûr que... qu'au final, c'est quand même beaucoup d'argent. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et je pense qu'en ayant travaillé avec des artistes, des producteurs, des musiciens, enfin des réalisateurs, des musiciens professionnels et tout, un mixeur pro, bah voilà, faut faire les choses bien. En plus, les photos vont être super. Ça va être trop, trop bien, les photos. Je vais les faire avec quelqu'un que vous connaissez toutes et tous. Je vous le dirai en temps voulu quand je ferai le shooting. J'ai d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi mes stories, j'ai reçu un petit col roulé parce que je vais faire des photos. Je ne vous dis pas trop, mais voilà, avec des couleurs un peu flash, parce que c'est ce qui me représente. J'adore les couleurs un peu vives. Donc, j'ai acheté plusieurs cols roulés de différentes couleurs. Là, vous allez voir. Donc, ça va être super cool. Et voilà. Mais je vous en dis trop. Il faut que j'arrête de parler, moi. Bon, allez, je chante. Je chante parce que je dis n'importe quoi, moi. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez comme chanson, les amis ? Et un des week-ends de juin, concert pour la sortie de l'album. Et oui, en effet, en plus, le 1er juin, alors c'est pas encore fait, les amis. Je vous ai parlé qu'il y aurait peut-être un concert le 1er juin à Bruxelles, donc c'est pas encore sûr. On est en train de voir tout ça avec mon ami Dan. C'est quand même compliqué parce que ça demande du budget pour faire des concerts. Voilà, c'est pareil, hein, quand on a une batterie, bah, faut une scène, faut une sono, nanana, ça coûte vraiment cher. Puis donc du coup, faut voir avec la ville, voilà, s'ils autorisent de faire ça. Donc là, on est en train de voir, d'organiser, voir si c'est possible de faire un concert le week-end du 1er mai. Mais c'est pas encore sûr. Louane, secret de Louane. Vas-y, je suis chaud. Ouais, je suis un peu excité, désolé. Je vous fais Louane. Vas-y, c'est parti. Après, je ferai une petite compo. Ah, mais j'ai pas fait la partition piano. Alors, attends, je vais aller chercher la partition piano. C'est OK. Alors, c'est en quoi, ça ? C'est en mi mineur. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, allez, let's go pour cette magnifique chanson de Louane. C'est parti, les kikis, on y va. Mais faut que je me calme, je suis complètement défoncé. Tu sais... Je suis pas prêt à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger,
Parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi aussi tu ne feras pas la même erreur. Je sais, c'est pas simple de croiser les miroirs. Tu vas pleurer parfois dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi. C'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que tu as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ça sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi aussi tu ne feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi aussi tu ne feras pas la même erreur. Et vas-y, maintenant je vous refais Slimane, parce que tout à l'heure on a été grossièrement interrompu par je ne sais plus quoi. Ah oui, le live a lâché ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup j'enchaîne, je vous fais direct Des milliers de je t'aime de notre ami Slimane. J'adore cette chanson, elle est magnifique, mais elle est vachement chelou à chanter. Elle est dure. Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau.
Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, mon petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Bon, un peu à l'arrache, hein, parce que ça. Putain, mais faut que j'arrête de faire ça. Je le tire trop et du coup, il se déboîte. Oh. Alors, bon, bah voilà, on reste au piano, les amis. Plus un, il a dit Killer Gaming. Merci, c'est cool. En tout cas, les amis, alors c'est pas comme sur Facebook, je peux pas mettre le fameux petit lien, à part dans la description. Si, dans la description, vous avez normalement un petit lien, les amis. Si vous kiffez mon live, si vous... Quoi ? Des annonces seront bientôt diffusées. Oh là là, il va y avoir des annonces, apparemment. Bon, j'en sais rien. C'est un truc de fou. Je connais pas trop YouTube, les amis. Mais voilà. Ah ouais, c'est fou. En fait, quand il y a une pub, par contre, il t'annonce avant. Genre, dans 40 secondes, il va y avoir une pub, les amis. Donc, je sais pas. Je connais... Enfin, je découvre YouTube. Il va y avoir une pub. Il t'annonce. Genre, dans 30 secondes, des annonces seront bientôt diffusées. Donc voilà. Donc c'est possible qu'il y ait une coupure pub, les amis. On se retrouve tout de suite après la pub. Je découvre YouTube, les amis. Mais voilà. Mais c'est bien par contre qu'ils te le disent avant. Parce qu'imagine, t'es en train de chanter et ils vont te mettre une pub en plein milieu. Donc du coup, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, le son normalement est beaucoup mieux sur YouTube. Vraiment, moi j'ai regardé le replay, y a rien à voir. On se retrouve tout de suite après cette coupure pub dans 2, 1. Zéro coupure pub. Ah non, annonce ajoutée. Je sais pas si vous êtes toujours en live. Est-ce que c'est là? Est-ce qu'il y a eu une coupure pub ou pas? Ah mais j'aurais dû mettre mon téléphone pour voir. Franchement, je comprends rien. Je comprends rien. YouTube, je me lance sur YouTube. Non, il y a pas. Ok, il y a pas eu. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a une coupure pub. Mais voilà. Ah, peut-être, tu sais quoi? Je me demande si c'est pas ça, les amis. Enfin, moi, ça m'a marqué un petit truc. Il n'y avait pas la fin parce que j'ai trop zoomé, donc je ne voyais pas la fin du truc, mais c'était marqué coupure pub dans 30 secondes ou quoi. Je me demande si c'est pas lors du replay où les gens ils vont avoir une pub. Et du coup, il faut teaser. Tu sais, c'est un peu comme à la télé. Restez avec nous juste après la pub, vous allez avoir une super chanson et tout ça, nanana. Donc, restez avec nous pour que les gens regardent la pub et restent connectés. Voilà. Bon, après, en vrai, s'il y a de la pub et que je reçois de l'argent, comme je n'avais pas ça avec Facebook, bah ça serait cool, hein, tant mieux. Hein. Franchement, honnêtement, je ne demande pas mieux. Hein. Mais on verra. On verra, je vous dirai en tout cas, les amis, ça serait vraiment cool, ça faisait un petit revenu et tout. Je ne sais pas, je me lance vraiment sur YouTube, les amis, donc on verra. Je n'ai pas des millions de vues encore. En plus, je fais des reprises, donc on verra. Parce que ce qui est dingue, les amis, c'est que Facebook, je vous ai dit, hein, maintenant il y a un truc, ils ne veulent pas payer les droits, donc ils reconnaissent les chansons quand tu chantes, quand ça veut marcher l'algorithme, sauf qu'il ne marche pas du tout. Mais sur YouTube, les amis, c'est incroyable. Là, quand j'aurai fini le live, ça met à peu près 24 heures, mais demain, je vais recevoir un mail avec « Vous avez chanté Another Love de Tom Odell, vous avez chanté Vianney, comment on fait ?» Vous avez chanté. C'est incroyable, les amis. Genre, ils détectent toutes les chansons
que je chante. Regardez, c'est un truc de ouf. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est incroyable. Attends, je vais essayer de regarder un mail de YouTube que je reçois. Voilà. Non. Mais j'aimerais bien vous montrer, c'est genre fou. Il détecte toutes les chansons que j'ai chantées sur le live. C'est complètement fou. Nanana, nanana. Attends, j'aurais bien voulu trouver. Nanana. Bon, bah non, je sais pas où c'est, je vais mettre 20 ans sinon. Attends, j'aurais quand même bien voulu vous montrer parce que c'est assez incroyable cette histoire de détecteur où il détecte. C'est vraiment, vraiment complètement fou. Si je fais ça, non. Bon, je vous montrerai, les amis, mais c'est. Mais comment je fais pour regarder si je veux regarder tous les messages que j'ai de d'un certain truc. Je sais pas. Mais c'est complètement fou. C'est un truc de malade mental de la tête. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je. C'était bizarre ta pub mort de rire. Ah, parce qu'il y a eu une pub du coup. J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, bah voilà. La SACEM fait son boulot. Alors malheureusement, non, la SACEM fait pas bien son boulot. Je peux peut-être vous détailler un petit truc vite fait. Mais en gros, ce qui se passe, c'est pour ça que j'aime plus ou moins la SACEM et que je suis un peu contre tous ces droits et tout. Bien sûr, il faut qu'il y ait des droits d'auteur et tout ça, c'est normal. La seule truc qui m'embête, pour tout vous expliquer comment ça marche la SACEM, c'est qu'il y a un pot commun. C'est-à-dire que, bien sûr, quand vous vendez un album, vous recevez des droits d'auteur. Bon, bah, ça, c'est logique. OK, pas de souci. Par contre, il y a une grosse partie, ça s'appelle le pot commun. C'est-à-dire que, imagine, t'es coiffeur et tu passes de la musique dans ton salon de coiffure. Bon, ben, se trouve que toi, tu vas payer de la SACEM parce que si tu mets de la musique dans ton salon de coiffure, ben, t'estimes que ça va être mieux pour le confort de toi-même et de tes clients. Et tes clients, ils viennent dans ton salon parce qu'ils aiment bien, parce qu'il y a de la musique, ça va avoir une ambiance sympa d'écouter Vianney à la radio. Donc, c'est logique que tu payes des droits de SACEM quand tu as un salon de coiffure. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas payer, je ne sais pas, peut-être 500€ l'année pour avoir le droit de diffuser le DCD dans ton salon de coiffure. Mais à la fin de l'année, tu vas pas, normalement, ce qu'il faudrait faire lors d'un concert, lors de n'importe quoi, tu marques la liste des chansons que tu as diffusées. Mais tu imagines bien que le coiffeur, à chaque fois qu'il y a une chanson qui passe à la radio et à chaque fois qu'il y a une chanson qui met sur un CD, il ne va pas noter sur une liste et puis l'envoyer à la SACEM à la fin. Donc, ce qui se passe, c'est que la SACEM, elle fait un package. Elle dit, voilà, vous nous devez 500€, c'est le pack où vous pouvez tout écouter. Et nous, on met ces 500€ dans un pot commun. Donc, c'est-à-dire que le coiffeur, même s'il a écouté Roman Rose toute l'année, il a écouté que Roman Rose. Eh bien, ces 500€ vont aller dans le pot commun. Et le pot commun, qui c'est qui va obtenir l'argent du pot commun? Eh bien, c'est tout simplement les meilleurs, les plus gros vendeurs de disques. Actuellement, c'est même pas les vendeurs de disques, c'est ceux qui ont le plus de droits. En l'occurrence, Goldman, par exemple. Goldman, il a une SACEM de malade, tu vois. Eh bien, lui, Goldman, il va choper à peu près 30-40% des 500€ que le mec a donné alors qu'il a écouté que Roman Rose. Le mec, il a écouté que Roman Rose, et moi, étant donné que je vends pas d'albums, pas beaucoup, j'ai zéro de SACEM. Je gagne vraiment rien du tout de SACEM. Si j'ai 100€ par an de SACEM, c'est le grand maximum. Et ben même si le coiffeur il a écouté Roman Rose toute l'année et qu'il a donné 500€ de droit d'auteur pour un pot commun, et ben c'est pas moi qui vais récupérer les 500€, c'est Goldman. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu de l'arnaque. En vrai, ce truc-là de SACEM, je trouve que c'est toujours les mêmes qui gagnent parce que voilà, plus tu gagnes, tu vends de disques. Après, c'est logique aussi. C'est parce que c'est ceux qui vendent le plus de disques, ben, c'est ceux qui rapportent le plus. Mais en tout cas, c'est pas juste par rapport aux petits artistes. Parce qu'en final, c'est un système qui favorise les gros artistes et qui défavorise les petits artistes. Et en plus, on est à l'heure actuelle, maintenant, il y a plein de logiciels qui arrivent à détecter les musiques. C'est-à-dire que ben, tu as un petit appareil que tu brancherais quand le coiffeur il veut, il achète ça 100 balles. Et puis toutes les chansons qui passent, elles sont enregistrées, elles sont détectées comme Shazam, tu vois, il détecte la chanson. Et tac, ben, il reverserait la musique qu'il a entendue. Là, tac, il sait que c'est Roman Rose. Il la reverse à Roman Rose, quoi, et pas à Goldman, tu vois. Donc voilà, c'est juste comme pour ça marche comme ça, la SACEM, et je trouve que c'est pas très très juste pour les petits artistes. Bon, voilà, vous savez un peu comment ça marche, la SACEM, vis-à-vis de ça. J'ai envie de vous faire un petit queen, là. Je vais queener. Je vais vous faire ça. J'ai envie de chanter ça. C'est parti, on y va.
Let's go! I'm just pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are running down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I felt like no one ever told the truth to me about growing up and what struggle it would be. My tongue instead of mine, and I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disasters, cause you never read the signs. Too much love will kill you if time. I'm just a shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you doom. I would be if you were standing in my shoes. Can't you see that it's impossible to choose? There's no making sense of it. Every way I go, I'm bound to lose. Too much love will kill you, just a shard of not at all. It drained the power that in you, make you bleed. Every time, every time, it's too much love will kill you and make your life lie. It's too much love will kill you and you won't understand why. You'd give your life, you'd say. But here it come again. It's too much love will kill you. Faut vraiment que je me fasse la partition piano de cette chanson. Ben voilà, allez, c'est bon. Bon, il n'y a pas de transition. Voilà, moi je voulais direct enchaîner sur ça. Ben voilà, que voulez-vous, que voulez-vous? C'était, ouais, c'était pour ça que je voulais faire ça, parce que c'est la même tonalité et tout. Oh là 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 là.
Each morning I get up, I die. Can't move, stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what are you doing to me? I have to spend my years believing you, but I just can't believe. Lord, somebody, somebody, can anybody find somebody to love? I work out every day of my life. I walk till I ashes my bones. At the end of the day, I take home my heart and be all on my own. I get on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah, 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 every day. And I try, and I try, and I try, but everybody wants to burn me down. They say I'm going crazy. They say I'm got a lot of water in my brain. Come on. I'm okay, I'm right, and gonna face, no defeat. I just gotta get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free. Love, find me somebody to love you. Find me somebody to love you. Somebody to love you, find me somebody to love you, find me somebody to love you, find somebody, 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 everybody, somebody, every can anybody find me somebody to love, somebody to love. Et ben voilà pour le petit Queen, un peu à l'arrache là, j'avoue, sur la fin, un peu à l'arrache. Bon, je vais me faire engueuler si je fais pas assez de français. Donc, je vous vois venir, les sœurs Privot, là, hein, les sœurs Privet, là, je vous vois, ton live, il était pas mal, mais t'as pas fait assez de français. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en français? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va faire ça, tchao. Patrick! Queen. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et qui apparemment nous découvrent. N'hésitez pas à vous abonner. Ah, j'ai déjà fait un Another Love tout à l'heure, mais je l'ai fait à la guitare. On verra si à la fin du live je la fais au piano, au pire. Bon allez, on va faire un petit Patrick, là, un peu de français, là, un peu à l'ancienne. T'as entendu le bruit que ça a fait?
On aurait dit un canard qui agonise. J'ai rien fait, hein, c'est dans ma gorge, ça a fait un truc chelou comme j'ai bu. N'importe quoi. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Oh, si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. 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 Si ce soir, tout ce qui est marqué sur les murs, oh, je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après minuit. M'en veux pas si ce soir j'ai envie de casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent. Se faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste. Les rendez-vous manqués et le temps qui se perd. Entre des jeunes usés et des vieux qui espèrent. Et ces flashs chaque jour à la télé qui aveugle. Et les salons qui beuglent la couleur de l'amour. Et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui. La peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit. Que c'est la voix. Casser 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 la voix. Et les filles de la nuit qu'on voit jamais le jour et qu'on couche dans son lit en appelant ça l'amour. Les souvenirs honteux qu'on oublie devant sa glace en se disant je suis dégueu mais je suis pas dégueulasse. Et doucement les rêves qui coulent sous le regard des parents et les larmes qui roulent sur les joues des enfants. Et les chansons qui viennent comme des cris dans la gorge, envie de crier sa haine comme un chat qu'on égorge. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la. Casser, casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Oh, si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix.
c'est la voix. Merci beaucoup, c'est incroyable, ça va sur ma montre le truc, c'est la première fois que j'ai Lydia sur ma montre. Merci beaucoup à Michel qui vient de faire un don. Michel, c'est incroyable ce que t'as fait comme don. Merci, merci, merci du fond du cœur, Michel, qui vient de faire un don. Merci beaucoup à tous ceux voilà, qui me soutiennent, vraiment, donc un immense merci. Franchement, c'est super sympa, merci, merci beaucoup, Michel. Tu peux faire popcorn salé, et allez, c'est parti, moi je te fais popcorn salé s'il faut, je le fais même sucré le popcorn, je le fais comme tu veux, moi je le mets un peu de curry si tu veux, je te fais un popcorn avec un peu de curry, ça va faire comme ça, ouais. C'est nickel. Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, dire que tout ira mieux. Je mettrais la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du pop-corn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des flammes. Le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos. Tu seras ma femme. Et en se regardant dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du pop-corn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du pop-corn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Thank you.
Et voilà, voilà, t'es gentil, Malika, mieux que l'original. Alors moi, j'adore Samta, franchement, la chanteuse des iPhone avant. D'ailleurs, j'ai une révélation parce que j'aimais beaucoup les iPhone. Et en fait, après, j'ai appris que c'était la chanteuse des iPhone. Donc je me suis dit, tiens, c'est normal que j'aime bien Samta parce que c'était la chanteuse des iPhone que j'avais rencontrée sur un plateau télé, enfin plateau radio-télé, il y a 4-5 ans. On avait partagé la même chaîne avec Camille Combal, enfin bref, au Grand Rex. J'avais chanté sur la, c'est juste après la Nouvelle Star. Et du coup, elle avait chanté avec son groupe iPhone. Donc, tu vois, on s'était déjà croisés, on avait déjà été très proches sans savoir qu'elle allait me parler un jour. Parce que quand j'ai eu fait la reprise de Santa il y a 2 mois, 1 mois de ça, là, quand je l'ai mis sur les réseaux, elle m'a envoyé un message comme quoi elle avait dit ah, trop bien et tout. Donc voilà. Donc ouais, moi j'adore cette chanson, franchement, honnêtement. Mais en tout cas, c'est pas mieux que l'original, c'est juste différent. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est très sympa. Merci beaucoup à vous qui me suivez. C'est cool de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent, donc c'est cool, c'est cool. Je suis chaud de faire la chanson de Amir là. Qui c'est qui a demandé? Il y a Cathy qui a demandé Amir. Je suis grave chaud. Ah, mais je vais la faire à la guitare. Allez, on fait un peu de guitare, les amis. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 1h30. Bon, en tout cas, les amis, si vous kiffez le live, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les habitués, vous savez que j'ai une petite cagnotte. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit don si vous kiffez sur la cagnotte, même si c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros. Voilà, c'est toujours un peu une petite. Combien vous avez été depuis le début du live? Y a combien de vues? Allez, nous sommes à 2492. Désolé pour le bruit. 2492 personnes ont regardé le live depuis le début. Donc, c'est cool. Bon, il n'y a pas autant de monde que ce week-end, normal, le dimanche, le premier live que j'ai fait sur YouTube, il y avait 4500 personnes. Donc ça, c'était cool. Mais là, on est aux trois quarts du live. On va peut-être dépasser les 3000. Si tout le monde partage, là, partagez le live à fond, qu'on arrive aux 3000 quand même. Ah, 2504, ça s'actualise, 2500 personnes. De 1519. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains m'emmènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans ton beau drap si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est toi. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteint cette envie, cet aveu de rêver tous les deux quand même. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on délire, qu'on décolle, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour t'es un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. Et user ma peau sur la tienne.
tandis et t'avais de rêver tous les deux quand même. Est-ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent? Tu entends user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cette envie, cet aveu. Tiens, j'ai envie de charder ça, si je m'en souviens. Il faut que je regarde la tonalité, je m'en souviens plus. Merci beaucoup à Christine qui vient de faire un don, merci, merci, merci beaucoup. Il faut que j'aille sur Instagram en voir en quelle tonalité je chantais cette chanson. C'était en plus de... Et ben c'est parti pour cette magnifique chanson de notre ami Pierre Garnier, qui a gagné l'un de dernier nous au Nouvelle Star, j'avais dit Star Academy, avec cette magnifique chanson. Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir. Non, c'est pas du tout ça. Ah ouais, ça allait pas du tout ça. J'ai raté ma transition, faux départ quoi. N'importe quoi. Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, je l'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on. Il sait qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne change rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et le sait qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. J'aimerais garder ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde, peut-être
garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Et voilà, voilà, voilà pour cette chanson de Pierre. Franchement, je la kiffe trop cette chanson. Je kiffe trop le type en plus. Elle a l'air vraiment très sympathique et tout. Donc, du coup, voilà les amis. Bon, je vous fais une petite compo là. Allez, c'est parti. Je suis chaud de vous faire quoi? De vous faire ça. Allez, où? Michel, mets-moi le disque là. Ah, je sais, ouais, peut-être je vous fais ça. Ah, c'était pas prévu. Vas-y, c'est parti. Bébé, viens, je t'emmène faire un tour. J'ai lancé le compte à rebours. On fonce tout droit comme dans un tunnel. On se retourne pas comme si tout était éternel. Et si alors on faisait un détour? Afin de rallonger le temps qui passe et pour faire éterniser la préface. De toute façon, quitte à être à la bourre, je m'en fiche, je veux juste être avec toi. Je me fiche des gens qui parlent tout bas. On tisse les liens que les autres n'ont pas. On glisse tous les deux au-delà. Sur l'autoroute de l'amour, on tracera bien jusqu'à l'horizon, sans jamais trop se poser de questions, puisque c'est là que ça devient lourd. Bébé, qu'est-ce qu'on fout encore là? Je sais que tous les trains n'attendent pas. Les voyageurs indéterminés ont tous un ticket qui a périmé. Je m'en fiche, je veux juste être avec toi. Je me fiche des gens qui parlent tout bas. On tisse, rien que les autres n'ont pas. On glisse, tous les deux au-delà. Je m'en fiche, je veux juste être avec toi. Je me fiche, des gens qui parlent tout bas. On tisse, rien que les autres n'ont pas. On glisse, tous les deux au-delà. Être avec toi, je me fiche des gens qui parlent tout bas. On tisse rien que les autres n'ont pas. On glisse tous les deux au-delà, au-delà, au-delà. Je m'en fiche, je veux juste être avec toi. Je me fiche des gens qui parlent tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Je m'en fiche, je veux juste être avec toi. Je me fiche des gens qui parlent tout bas. Et voilà, voilà. Est-ce que j'ai dans ma truc? Attends. C'est quoi le titre de cette chanson? Bon, j'en sais plus. Bah, je l'ai pas. Bon, alors, tant pis, hein, si j'ai plus le titre. Je ne l'ai pas. Combien de temps ça fait qu'on est en live? 1h43, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah, j'ai envie de faire ça, c'est parti.
Sometimes I feel I've got to run away from, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love that we share, it seems to go nowhere. I have lost my light, for I toss and turn, I can sleep at night. Won't I want to you, won't I run from you? It's tempting to love you, give out, I give you all the boy could give you. Take my tears and that is only you. Dance loud, oh, dance loud. To hold it tight, and you think you love to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Won't I run to you, oh, oh, I run from you, oh. This tempting love you give, and I give you all the boy could give you. Take my tears and that's not many. Michel, remets un peu d'huile, s'il te plaît. Je suis complètement ravagé. Tiens, je vais voir ça. C'est parti, c'est la fête. Allô, Lola, c'est encore moi. J'ai beaucoup pensé à toi, Lola. Allô, Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de hola, Lola, Lola. Allô, Lola, comme un garçon, j'ai le cœur qui fait boum, mais les cheveux longs. Allô, Lola, comme un garçon, c'est la première fois pour moi que tes yeux me font boum, 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 boum. Oh, Lola, Lola, c'est
pas dormi pour toi, je n'en reviens pas. Allô Lola, ne raccroche pas. Lola lit dans l'au-delà, ma jolie Lola. Allô Lola, comme un garçon, j'ai le cœur qui fait boum, mais les cheveux longs. Allô Lola, comme un garçon, c'est la première fois pour moi que tes yeux me font boum. Et allez, c'est parti, on continue avec une chanson. Ah, tiens, est-ce que je l'ai mise? Ah, je crois que je ne l'ai pas mise. Je crois que je ne l'ai pas mise. Je crois que je ne l'ai pas mise dans mon truc. Donc, du coup, je vais devoir aller la chercher. Comme ça, dans le logiciel. Ah, mais est-ce que je connais la tonalité? Oui, je l'ai, c'est marqué. J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas. Le monde est sublime à la fois. Je me pose mes questions par jour. Je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? Marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. Déjeuner docile, on fait ni fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt encore à me battre 1000 ans, mais je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis j'ai devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des miens mais du pire, monter les mers, fanent les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papas. T'as qu'à vivre 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis? Ouh, il sait pas. Et maintenant, mais pas après, chéris l'instant, balais le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chéris les gens, balais les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure, tant mieux. J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je saurais même pas, ce sera la dernière fois. J'y pense jamais, pourtant je devrais, pourtant je sais que je pleurerai si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots, si me sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret. Et maintenant, mais pas après, chéris les gens, balais le passé. Certains voudraient vivre mieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Et maintenant, mais pas après, certains voudraient vivre vieux. Moi je veux partir heureux.
Vous battez pas les filles, calmez-vous, merci. Mort de rire, ça part en live sur le live, ça me fait trop délirer. Je la connais pas, messieurs, mesdames, de Loïc Notet. Fais voir si je connais l'air. Des fois, je teste des trucs et quand je connais l'air, je peux essayer, mais je crois que je connais pas du tout l'air de la chanson. J'aime bien Loïc Notet en plus, mais... Ah non, j'ai aucune idée. Bravo, messieurs, mesdames, aujourd'hui, je te dis tout. Ah si, attends, j'ai peut-être l'air. Attends, j'essaye, hein, j'ai jamais fait. Bonsoir, bonsoir messieurs, madame. Aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère parler en tu. Nanana. Ok, alors attends, vas-y, comme ça. Bonsoir, je sais que ça va monter très haut après, donc faut que je la parte assez basse. Bonsoir, messieurs, madame. Aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous. Ok, alors on essaye de se la faire. Alors, attendez, hein. Première fois, je déchiffre. Bonsoir, messieurs, madame. Aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère te parler en tu, car je n'aime pas le vous. Je trouve que ça vieillit, et moi, je veux rester petit. Un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout, sur le drame que je vis. Au quotidien, en enfer, voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, mais vader loin de tout, de ce monde de fous, et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laissez-moi courir loin, laissez ce monde bannir. Si Dieu que le suicide est un péché, alors qu'il dise comment je pars sans lui faire de tort. Qui me transforme ce que les médecins appellent fou. Et peut-être qu'ainsi je verrai dans le flou. Alors cher monsieur D, aide-moi, aide-moi. Moi je n'y arrive pas. Dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'on n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que le cœur à dispute. Je voudrais m'écrire un monde, une planète rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirai moi. Un renouveau s'enchaîne, dépourvu de haine, une planète sur laquelle tu me donnerais des ailes. Un nouvel univers, où les larmes et les peines ne seraient qu'un mythe, qu'une putain de légende urbaine. Alors laisse-moi partir, dis-moi comment m'enfuir. À cette question posée, laisse-moi, je veux tout quitter. La seule chose que j'aime est ta création, l'homme. Chaque nuit, comme les bombes, qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil, encore moche, on a le droit de rêver sans même rien dans les poches. Mon chien, je pleure le soir, mon dit l'espoir, mais la nuit est radine, madame garde sa morphine, parce que j'ai pas payé, ou du moins pas assez, mes parents sans fortune, elles me refusent de la lune. Ce monde, on peut pas vivre sans ces noms que tes enfants transformés en méchants monstres. Chaque mois tu en gagnes, chaque jour tu en perds. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si après ça continue, parce que là je me mélange vraiment les paroles, comme c'est toujours la même chose. Je me mélange un peu les paroles. Alors. Bon. Mais faudra que j'attrape, j'adore cette chanson, elle est magnifique. Elle est magnifique. The Voice, ils veulent pas de moi, Fabien. Ils ont dit non, pas lui, là, pas cet énergumène ambiant en costume rouge, hein, on n'en veut pas de mec en rouge. Donc du coup, voilà. Non, mais il y a des codes, en fait. Malheureusement, c'est pas si suffisait de chanter bien pour aller à The Voice. Il y a des codes à respecter. Et moi, je ne respecte pas les codes. Je ne suis pas dans les codes, tu sais. Je suis un peu en dehors du sentier, moi. Je prends les sentiers battus, tu vois. Donc, du coup, voilà. En tout cas, c'est sympa. Merci, Loutra, pour ton commentaire. J'ai essayé de la faire. Honnêtement, j'adore cette chanson, mais je ne la connais pas trop. Donc,
J'ai essayé. Crazy. Ouais. Nirvana. Ouais. Louise Attaque. Louise Attaque, j'aimerais bien essayer un truc, mais pas une chanson que je connais. Genre une chanson que je connais pas de Louise Attaque. Enfin, quand je dis que je connais pas, une chanson que j'ai pas dans mon répertoire. Parce que j'ai pas envie de faire Je t'emmène au vent, j'ai pas envie de faire... Mais il y a que celle-là d'ailleurs, je crois que je connais dans mon répertoire. Attends, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les Nuits Parisiennes. Qu'est-ce que ça ferait, ça? Toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne, et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencez par voir si l'amour passe en plein, et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os sans faire transpirer mes sentiments. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes, et t'emmener haut, saluer bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui, ou bien tout ça si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence, je voudrais savoir pour ce soir. Je vis toujours des soirées parisiennes, et voudrais vivre des soirées brésiliennes. Mais moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je voudrais vivre des soirées parisiennes, des soirées belles à sienne. Je voudrais vivre des soirées parisiennes. Il y a toujours des soirées parisiennes. Et ben voilà, j'ai essayé de la faire, hein. Franchement, je la connaissais pas. Mais ah ouais, celle-là, elle est drôle aussi. Fais voir. Ah ouais, je m'en souviens plus. Je m'en souviens pas de l'air. Ce qui est difficile, c'est quand je fais une chanson pour la première fois, je peux un peu tout essayer de chanter, mais il faut avoir l'air dans la terre, la tête, tu vois. Et l'air, je les ai peut-être pas tout le temps, quoi. Vous avez d'autres défis, là, c'est la fin du live. J'essaye des trucs. Je me rétame un peu. J'essaye, honnêtement, je les connais pas, mais j'essaye un peu le bail. Si je connais l'air. Icar, je connais pas. Je sais que c'est le gagnant de The Voice il y a vachement longtemps, mais... Allez, SOS d'un terrain en détresse, c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas chanté. D'ailleurs, est-ce que je sais encore la chanter? Ça, c'est pas sûr. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je l'ai tellement chantée cette chanson que je la chante plus. Quand je suis en live en studio, je la chante que dans la rue. Mais on peut tester, voir si, si j'ai encore la voix pour chanter SOS d'un terrain en détresse. Non, 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 non. Bon, on est à 3300 vues, hein. Faut qu'on arrive à 4000 au moins.
Allez, un maximum de partage, un maximum de petits cœurs. Allez, envoyez des petits cœurs et tout. Oi, Michel, mets un peu d'huile, s'il te plaît. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Voici le SOS d'un terrien en détresse. Encore un petit peu. Bon les amis, en tout cas merci beaucoup. Ah, mais ça fait déjà plus de 2 heures, j'ai même pas mangé, il doit être en minuit là bientôt. Oh, 20 jours de boulot. Les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez aimé les amis, voilà, dans les commentaires, alors je sais pas comment on fait sur YouTube, mais voilà, j'ai une petite cagnotte. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez kiffé ce live de 2 heures, ben voilà, n'hésitez pas à faire un petit don, même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros, et ben voilà, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes, c'est sur Lidja, ceux qui ont Lidja, ils connaissent, bim bam boum, un petit don de 2 euros, 3 euros, 10 euros, 50 000 euros si vous souhaitez aussi, ça passe, hein, je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description, sinon je vais le mettre, mais je ne sais pas, car il faut que j'aille dans mes notes, peut-être en faisant comme ça. Voilà, ah oui, c'est ça. Message live, non, c'est pas ça. Message, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça.
Ah oui, en plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a aussi le lien avec la playlist et tout. Donc regardez, je vous mets tout, au moins vous pouvez même avoir la playlist de toutes les chansons que je chante et tout. Au moins tu peux me les demander, au moins je ne risque pas de te dire que je ne la connais pas. Regarde, bam, post. Bam. Voilà les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ont kiffé mon live, ben n'hésitez pas à faire un petit don sur la cagnotte à la fin du live. Voilà. Je vous fais quand même une dernière chanson pour la peine, parce que le gars il dit pas mettez un sou dans le chapeau, alors que bon, j'ai quand même chanté 2 heures, mais mettez un sou dans le chapeau, c'est fini. Non, je fais une dernière chanson le temps que vous faisiez une petite pièce dans le chapeau. Je vous fais quoi? Je vous fais quoi? Je t'ai fait. Ah, merci beaucoup, ma chérie, que je suis pas allé voir mon téléphone alors. Ah ouais, en effet, il y a Martine qui a fait un don, il y a Denise, merci beaucoup. Et Lydia, ça s'affiche pas tout le temps, alors je vais quand même aller voir. Merci beaucoup, Martine, merci. Merci Michel, ça j'avais vu tout à l'heure. Merci Christine, merci beaucoup Christine. Et voilà les amis. Je suis nouvelle, c'est quoi le concept? Ben le concept, c'est que je suis chanteur, je chante, je compose je compose des chansons et je fais des reprises aussi parce que j'aime bien reprendre des chansons. Et voilà, je connais plus de 450 chansons, aussi bien du Vianney que du quoi, du Hélène Ségara si tu veux, du quoi, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a fait du Louane, on a fait du Sam Smith, non on n'a pas fait Sam Smith, on a fait l'autre, là, Lewis Capaldi. Et voilà, je chante. Et avant, je chantais pas mal sur Facebook. Et du coup, je me suis fait pas bannir de Facebook, mais Facebook n'autorise plus à faire des lives en chanson sur son réseau. Donc, je suis venu sur YouTube. Ce qui fait que sur Facebook, j'ai beaucoup d'abonnés, hein, 270 000 abonnés. Mais sur YouTube, je viens de commencer. Donc, je sais pas combien j'ai d'abonnés d'ailleurs sur YouTube. J'ai aucune idée. 6 000, un truc comme ça, je crois. Donc, c'est le début de la fortune, les amis. Je crois que j'ai 6 000 abonnés. Je vais aller voir. YouTube. Non, YouTube Studio. Abonnés. 6 600, on va bientôt passer à 7 000 abonnés. 6 697 abonnés. Et dans les derniers jours, il y a eu 335 abonnés. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à suivre mes petits lives. Voilà, sur YouTube, les amis. Et merci, Axel. Alors, pourquoi j'ai pas reçu Axel? Bon, je sais pas. Mais attends, peut-être si je fais comme ça. Ah oui, non, il y a eu des dons là. Alors, je sais pas qui c'est. Ah oui, il fallait que j'ouvre les notifications. Je vais voir. Merci beaucoup en tout cas à vous, c'est super sympa. Merci beaucoup à Catherine. Ah oui, je vois qu'il y a Catherine. Catherine Guéniaud, merci beaucoup. Voilà. Il y a même Thomas qui a fait un don. Merci beaucoup Thomas. C'est super sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, ça fait ça. Merci beaucoup. Alors, Martine, parce que comme c'est le nom de ton mari sur PayPal, à chaque fois, je bug un peu. Merci Martine, merci Axel, merci Thomas, merci Catherine. Vraiment, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Et on en fait une petite dernière. C'est parti, je vous fais Lost on You. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, je l'ai vu passer au piano. Un petit Lost on You en mode calme. Allez, on y va, Michel. Tu mets un peu d'huile. Et ça glisse tout seul. Paf. Aïe, Michel, ça fait mal, mets de l'huile, Michel. Ah, ça va mieux. Alors, paf. On a dit qu'on faisait Lost on You au piano. Oh, ils sont sérieux. Oh, elle a retiré les droits. Non, mais sérieux, franchement, ça m'énerve. Genre, ils retirent les droits des chansons juste par les accords, quoi. Et genre, des fois, ils se font retirer les droits. C'est un truc de ouf, ça. Franchement, c'est des paroles, quoi. Lost on You. Non, j'ai fait une partition guitare, mais pas piano. Non, Lost on You. Regardez ça, les amis. En attendant, n'hésitez pas à partager le live à vos amis, les amis, les amis, les amis. Il faut continuer à écouter sur Spotify les chansons, hein, bien entendu, hein, parce que. Alors, c'est en ré jazz. De mémoire, c'est en ré jazz. Non, sol jazz, ré jazz. Je me souviens plus en quoi je la chante. Quoi je chante cette chanson?
En ré mineur jazz. Ah, je savais que c'était haut. Ah oui, parce que je fais comme ça. Voilà, ça fait mi mineur en plus 4. Ça fait sol jazz mineur. Faut que ça fasse un sol jazz mineur. Ah, mais c'est tout simplement comme ça en fait, c'est un ton en dessous. Faudrait vraiment que je me fasse la partition. Bon. Allez, c'est parti les amis, ça chauffe comme ça, Marcel. Allez, fais chauffer de la crème, c'est parti, on y va. When you get older, play the saner. When you remember all the danger we came from. Burning light on, it's falling tender. Long before the days of no surrender years ago. And well you know, the smoke and a few've got em, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's raise our glass, all true to all the things I lost on you. See the machinations on the torn star of expectations in your mind. Hold me like I never lost your patience. Stand with that to love me more than hit me all the time. And here's to mine. So smoke it if you've got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass up to
Et voilà les amis de la jungle. Attends, faut que je teste un truc. Pourquoi je la fais toujours en ça? Et ouais, faut que je fasse en ré mineur. Pourquoi je fais pas ça en ré mineur? Je suis un gros débile, moi. Attends. Si je fais ça comme ça. Non. Là. Si je fais à la place de faire le sol jazz. Que ça fasse un sol jazz mineur. Attends, je vais tester un truc. Parce que je me fais à chaque fois chier avec la partition. Sol jazz mineur, faut que ça fasse sol jazz mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais ça. Faut que je fasse comme ça, je sais pas pourquoi je faisais pas ça. Bon, je vais me faire une partition, je vais le marquer. Et merci beaucoup Isa, il y a Isabelle qui a fait un don aussi, merci beaucoup, mais on va devenir riche avec cette histoire là. Merci, merci, merci mille fois les amis. Vraiment, merci beaucoup. Je vais juste me marquer playlist ou quoi, c'est ça, ajouter playlist. Alors, partition, piano, c'est quoi, c'est Lost on You, en... Premier accord, accord, ré mineur, en combien? En moins 6. En moins 6. Bah oui, ça sera beaucoup plus simple comme ça, parce qu'à chaque fois, je me prends la tête avec des trucs. Voilà les amis, bon bah j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous en tout cas une agréable soirée. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. J'espère que voilà, vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment tous ensemble. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui ont vu ce live, voilà, qui ont partagé, qui ont fait des dons, qui ont fait des gentils commentaires aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on n'a eu que des bonnes personnes sur le live. La dernière fois, il y avait pas mal de gamins, honnêtement, qui disaient un peu n'importe quoi. Mais là, il y a vraiment pratiquement que des gens sympathiques sur le live. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Voilà, aux nouvelles personnes qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner. Désolé pour les petits couacs, je me souviendrai qu'il faut... Ouais, en général, ça ne m'arrive pas trop souvent, ce problème de Wi-Fi. Là, mais, en fait, ça n'a rien à voir avec le Wi-Fi. C'est juste que moi, mon ordinateur, je le branche en câble. En RJ45 et que le petit truc où tu branches l'RJ45 là, il y a des raccords, tu vois, des multiprises, ben des fois elle bug, faut que je la débranche et je la rebranche, et du coup ben voilà. Je connais pas du tout d'autres chansons de Loïc Notet par contre, mais voilà, l'outra, mais en tout cas au plaisir de se revoir sur les lives. Une composition, ouais, bah la prochaine fois, là j'ai quand même chanté 2h30, là j'en peux plus. Là j'avoue que j'ai la voix qui est un peu pétée. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis, en tout cas, bah voilà, hein, le message c'était que voilà, j'ai obtenu je vais avoir des subventions pour la promotion de mon album, ça vaut vraiment le coup, parce que voilà, je vais me faire rembourser pour la promotion un petit peu moins de la moitié, mais voilà, c'est quand même, c'est pas rien, parce que voilà, c'est quand même vraiment très cher la promotion, payer un attaché de presse 3-4 mois, enfin même plus, 4-5 mois, payer les playlists, payer les fabrications même des disques, parce que c'est à moi de payer aussi la fabrication des disques, pas des disques du crowdfunding, mais les CD qui vont être à la FNAC et tout ça, c'est à moi de les payer. Je suis producteur de mon CD, donc voilà, toutes ces choses-là, bah, ça va demander, voilà, c'est sûr, un investissement. Donc toutes ces choses, franchement, on ne va pas faire de scrupules sur si je peux avoir une subvention à ça, à la création... comment ils appellent ça, pas radiophonique, à la création. Putain, j'ai rempli des papiers toute la journée en plus. J'ai plus le mot en tête. Et ça m'énerve parce que je l'ai sur le bout de la langue. La création. J'en sais rien.
Mais du coup, voilà. Donc, tant mieux si je peux avoir un aide. Salut Skidou. Skidou, il m'a fait délirer. J'aime bien ce mot. Ça me fait penser à Skidou. Ça me fait penser au ski. On avait des Skidou quand on était en Haute-Savoie. Du coup, voilà. Donc, si je peux bénéficier de ce truc-là, bah, ça va être cool. Donc, malheureusement, voilà, j'ai pas le droit de faire de dépenses. Tout ce qui est album, j'ai pas le droit de sortir de dépenses avant le 1er juin. Enfin, avant mai. Donc, du coup, voilà, je vous ai expliqué tout ça. Et je vous disais quoi? Donc, il y aura un single le 1er mai. Ah, c'est encore buggé, non? Non? Non, connexion excellente. Donc, il y aura un single le 1er mai, les amis, à la place de l'album. Puis voilà, vous allez recevoir chez vous, avant la fin du mois de mai, le CD. Et puis, l'album sera en ligne ben, sur Spotify et toutes les plateformes le 1er juin. Et puis voilà, ça va être que pour le meilleur. Vraiment, on a une équipe de dingue. Je vous ai cité tout le planning, tout est ficelé, tout est réservé, tous les devis sont faits, les machins, les fabriques, les mixeurs, le mastering, tout est bon. Il n'y a plus que maintenant, ben voilà, finaliser les quelques petites chansons que je voudrais revoir. Je sais qu'il y a deux, trois petits trucs voilà, que j'aimerais bien finaliser avec les réalisateurs. C'est des petites retouches où je leur demande des conseils, mais le plus gros est fait, quoi. Et puis voilà, moi j'ai récupéré les pistes, certaines chansons que j'avais faites avec l'ancien réalisateur, que j'ai remis un peu à ce que j'aimais bien, quoi, à mon goût. Donc c'est un peu le boulot que je dois faire en fait, les trois chansons que j'ai voulu récupérer que j'avais faites avec mon ancien réalisateur. C'est aussi pour ça qu'on a perdu du temps, parce qu'il a mis du temps un peu à me les envoyer. Mais voilà, je les remets un peu à ce que je voulais entendre. Et c'est vraiment super, vraiment je suis trop content. On va avoir un. Vraiment, vraiment, l'album va être vraiment chouette, les amis. Je sais que ça était long pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent un peu tout le chemin. Là, ça fait 1 an et demi que je dois faire mon album. Et vraiment, le chemin est vraiment cool. Hein. Ça fait depuis octobre 2023, voilà, qu'on a 2022. Hein, j'ai lancé le crowdfunding et tout. Donc, voilà, ça fait 1 an et demi. Et vraiment, ça va, c'est vraiment pour le meilleur. Il y a des nouvelles chansons dans l'album qui vont être trop cool. Je suis trop content de les avoir intégrées. Et puis voilà. Ouais, j'ai vu Isabelle. Merci beaucoup pour le don. Je l'ai vu, mais je pense que quand je t'ai remercié, tu étais en train de faire le don, donc le temps que tu reviennes sur le live, tu n'as peut-être pas vu que je te remerciais, mais un immense merci beaucoup. Et voilà, donc ça va arriver très vite, les amis. Comme je vous le répète encore, faites ceux qui veulent 15 chansons à la place de 12, précommandez l'album, parce que voilà, il y aura 3 chansons de plus. Et en plus, il y aura votre nom sur l'album et tout, donc c'est quand même sympa. Et puis pour les autres, ben voilà, sinon l'album de 12 titres sortira le 1er juin, quoi. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube. Maintenant, les lives seront ici désormais. Désormais, ne plus ensemble. Mais voilà. Et puis à très bientôt les amis. Allez, ciao, ciao, ciao. Et merci, merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci.